Tout le monde n'arrête pas de parler de toi et de Wade. Ils disent que tu lui as mangé l'oignon. Franchement, j'ai jamais mangé l'oignon de quelqu'un ou je sais pas quoi. On n'est pas parti plus d'une minute. Ça suffit pour Wade. Vous faites partie du grand projet de Dieu. Son esprit a poussé chacun d'entre vous à s'engager pour cette retraite. C'est qui lui? Salut, Alice, c'est ça? Ouais, bienvenue. C'est pas grave si tu penses que les choses sont complètement bizarres. Je vais avoir besoin de ton téléphone et de ta montre si t'en as. T'auras pas besoin de montre durant toute la semaine parce que c'est Jésus qui nous donnera le rythme. À plus. Alice, cette retraite ne servira à rien si tu n'es pas honnête. Alors tu t'es déjà sentie excitée? Je parie que t'as vraiment bouffé l'oignon de Wade. Je sais même pas ce que ça veut dire. Arrête. Vous avez du courrier. Je suis amie avec une perverse psychopathe. Maintenant, je suis mouillée. Calme-toi, Gail. T'es pas si mouillée. Dégueu. Tu vois, la vérité, c'est que personne n'a aucune idée de ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? On a tous des secrets qu'on cache. Et toutes sortes de secrets. Ton corps est un cadeau qui te vient de Dieu. Tu dois l'honorer, Alice. Tout le monde dit Jésus-Christ. Jésus-Christ.